Les gens, de retour du coup sur Dandara. On se bat contre le boss Eldar, c'est ça le boss final normalement. Et si c'est vraiment le boss final et qu'on a un peu de temps, on fera un peu d'exploration après. Il y a 2-3 coffres qui... Je sais pas si... Non, je le prends pas en fait, mon corps. Est-ce qu'il y aura toute la cinématique avec le texte? Oui. Mon chéri, peu importe combien de fois ça arrivera. Mère. Bonjour. Y a plus mon âme. C'est quoi ça? Y a des mini luis sur certains murs. Voilà, c'était rapide. Par contre, j'ai perdu tout mon sel apparemment. Ah, Eldar, réalisation du sel, succès. Ah d'accord, les masques, on peut quand même marcher dessus. Oh punaise. Oula. On va se prendre une potion. Non, j'étais en train de la prendre, la potion. Ah, je crois que j'ai perdu tous mes sous. Bon, je crois qu'il ne devait plus m'en rester beaucoup vu que j'avais tout acheté avant. Mais d'ailleurs, j'avais oublié le pouvoir qui permet de faire plus de dégâts quand... on l'utilise contre du sel. Mon chéri, peu importe combien de fois ça arrivera, ma... Voilà, donc la phase télé, je me suis juste fait surprendre par l'attaque d'un coup la première fois. Là c'est juste que c'est un peu long. Oh punaise. Thank you.
Oh punaise. Non, 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 non. Potion. Potion de mana, évidemment. Change ça contre quelques PV. Potion normale. Voilà. C'est dégueulasse. On se croirait dans Blasphemous. Aldor, Keldar tombait dans l'oubli. Le sel sentait les changements à venir. Changements à venir. Mais le sel les craignait. Chambre de contrôle, le sel hésite. Bonjour. Waouh. La mobilité de ce truc, c'est chelou. Vas-y. Parlez de Dieu. Il se produit quelque chose d'horrible. Le sel hésite. Il lutte pour que les choses restent inchangées. Comme s'il voulait défaire ce que nous avons accompli. Serait-ce le chant de Nara? Sa voix est-elle vraiment tout ce qu'il fallait pour que cela se produise? Notre village s'effondre. Je cherche nos amis. J'ai essayé de trouver une façon de tout arranger. Je suis au pont colossal et je l'ai vu. Dandara, au secours. Chemin de la grande fortune, ok. Donc en finale, non, c'était pas le boss final. Elle est à ce pont-ci. Évidemment, je me trompe de touche. Je sais pas dans quel monde, mais à ce pont-ci. J'allais dire, on va sauvegarder, mais évidemment, on peut pas. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Hein. Oui, c'est vrai, on peut traverser ça. Ah, faut d'abord. D'accord. Se laisser guider. Ah oui. Et les yeux qui m'attaquent maintenant. Hein. Il n'y a pas de... Je reste sur place. Et... Ok. Secours, repotion.
Sachant que je ne peux pas sortir là. Je ne peux pas sortir par ici non plus. Là, je sais vraiment pas trop quoi faire. Ah d'accord. Fallait que je tue, que je traverse moi-même un certain nombre de... Oula. Que je traverse un certain nombre d'ailes. Oui, si je monte, il se passe quoi? Il se passe qu'on peut pas y aller. D'accord, très bien. La fierté d'or. Alors, est-ce que ça va faire comme... The Messenger, où on croit qu'on a fini, mais en fait, on en est qu'à la moitié. Ou est-ce que c'est juste une phase entre guillemets? Oh mince. C'est juste une phase d'échappée plutôt comme un Metroidvania classique. Enfin comme Metroid je veux dire. Transformation de la corruption. Donc là à gauche normalement il n'y a rien mais... Des gribouillis insensés remplissent un vieux carnet à peine relié. Les larbins d'Eldar sont trop forts. Comment pourrait-on franchir les murs d'or de sa forteresse? Quel genre de résistance j'ai bien pu susciter? Tout ce qu'on fait, ou plutôt tout ce que je fais, semble futile. Est-il possible d'entrer, au moins? S'il le faut, j'étudierai les œuvres de l'écrivain pour me rafraîchir la mémoire. Mais l'écrivain se trouve de l'autre côté d'un désert. Ses fruits sont depuis longtemps devenus sable. L'écrivain, c'est celui qui m'a donné le tir laser, là, le crâne qui se met d'un côté et qui tire un laser. Ces pierres arborent des dessins gravés à la main. Au sommet d'un immense mur d'or, on voit un couple, Illar, qui porte les chaînes de fer. Tout en bas, parmi des bâtiments anciens et une mer de sable, un groupe de gens plein de couleurs se tient la main. À l'ombre du mur gigantesque, ils tiennent leur position, malgré les vents du désert, des réminiscences. Ça me dit plus ou moins quelque chose, tous ces textes, mais pas vraiment non plus, donc j'ai préféré relire. Rien que pour moi. Un moment, j'aimerais bien retrouver un périphérique de la capitale. Voilà. Ici on peut sauvegarder, on peut pas utiliser les rêves, si souvenir, c'est ça qui nous avait donné l'écrivain je crois, par contre souvenir, Tandara, je n'ai pas de thunes, non, puisque j'ai tout gâché en mourant, alors là, on est censé aller à gauche, on ne peut aller qu'à gauche. Corridor du voyageur. Pont colossal. Dandara, c'est toi? C'est quoi cette caisse qui passe? Qu'avons-nous fait? Tu ne le sens pas? Le sel semble lutter âprement. Je ne l'ai jamais senti dans cet état. J'ai peur, Dandara. Il hésite. Mais pourquoi? Va-t-il s'effondrer? Va-t-il repartir de zéro?
Est-ce qu'il s'oppose à nos actions? Est-ce que le sel nous rejette? Nara chante le changement. Peut-être que le sel revoit son jugement sur moi. J'ai lutté pour un monde sublime, inspiré les vies merveilleuses dont le sel assure l'équilibre, comme toi à présent. Je croyais avoir peur d'Eldar et de sa guerre absurde. Je comprends maintenant que j'ignorais le sens même de la peur. La peur, c'est ce que nous nourrissons en choisissant de ne pas savoir. L'ignorance alimente la colère et la panique. Même le sel peut se déchaîner. Je ne verse pas de larmes. Mes actes, j'en ai fait don au sel. Et ils font à jamais partie de son histoire. Mais la maturité appelle le sacrifice. Même moi, je dois l'admettre. Certains rêves ne peuvent se réaliser. Tu es le souffle du vide, une enfant de la création, tout comme je l'ai toujours été. Je crois en toi. J'aimerais avoir ma place dans l'avenir qui s'annonce, mais j'ai l'impression que ce ne sera pas le cas. Ah oui, violent. Naïveté donc impossibilité. Tormenta, la peur indicible. Oula ! Ah punaise, j'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un. Ok. Oh punaise. Voilà, voilà, pourquoi j'ai cliqué sur A, moi, je ne voulais pas aller dans cette direction, non. Voilà. Eh ben, ça lui fait peu de dégâts, hein. Oh là là. Je rêve d'ailleurs où ça ne lui fait de dégâts que quand on enlève les yeux. C'est compliqué à regarder en tant que joueur. Oh punaise. Oh punaise, je me suis suicidé. Le graphisme est très bizarre. Quasiment tout est pixel art. Dans ce jeu. Hop, punaise.
Cette tête de bébé chauve là. J'attendais pas du tout à ça là. Le boss juste avant était compliqué mais faisable. Là c'est un autre niveau parce que c'est pas tes tirs qui font des dégâts, c'est tes tirs révèlent les points faibles qu'il faut que tu tues quand même pour faire les dégâts. On va éviter de s'en prendre des coups gratos, même si c'est quand même ce qui s'est passé. Oh là là. Non, non, non. Bonjour. Bonjour, j'aimerais me poser quelque part et me soigner. Je sais en plus qu'il faut pas que... Ah punaise, là j'ai cliqué trop tard.
Faut vraiment utiliser ces potions dès qu'on peut en fait. C'est pas au meilleur moment, c'est vraiment dès qu'on peut. Et je pense que faut pas trop s'en... Punaise. Deuxième phase. Wow, il y a une deuxième phase. À la moitié. Oh punaise, non. Non, non. Oh, j'ai pas vu l'autre rayon laser. Potion un peu tôt, mais au moins j'ai pris ma potion quoi. Comme je disais, j'ai pas forcément le loisir quand je veux, surtout à cause de cette tête là qui m'empêche énormément. Donc ça confirme ce que je me disais, en fait s'il y a une phase qu'on apprécie plus que les autres, on peut essayer de rester dedans et attendre que les... que juste des petits yeux apparaissent pour les buter et avancer. What? Hein? Sans y sont dérivés d'Andara et elle elle-même, tellement faible. Ils sont au mieux, mais autre. Nous ne sommes franchement pas impressionnés, je suppose. 5 sur 10. Attends. Nous ne sommes franchement pas impressionnés. Ok. Heureusement que j'ai le retour. Ok. Eh ben ne soyez pas impressionnés. Hein. Venez le faire à ma place, ça m'arrangerait. C'est bien ça, j'ai reconnu le... l'ombre du point. Quoi ?
Je suis où? J'ai plus de potions. Et ben, mesdames et messieurs, c'est la fin. Voilà. Oh punaise, comment c'est dur. Et même le petit coup de théâtre au milieu là avec le... avec les juges. Même ça, ça repose pas vraiment parce que... Bon, en tout cas la première fois, parce que... on essaie de lire, on sait pas ce qui se passe. On n'a pas de... Ah, il commence pas avec tous ses PV vu que je commence par l'attaquer un... un œil. Ah, c'est sympa ça. Et le... C'est pas une pause en fait aussi, ce que, voilà ce que je voulais dire sur le... sur les juges. Oh, punaise. Ça change tellement le jeu, j'étais tellement en mode... imprudent, en mode... De toute façon, c'est pas si grave si je me prends des dégâts, c'est pas si grave si je, si je suis un petit peu à côté. Que là, faut être à la fois précis. Rapide. Il n'y a pas énormément de place à l'erreur en fait. Oh mince, je l'ai pas vu arriver. Trois potions. Ok. Je me souviens pas de cette salle. C'est à la place de la salle ronde où je suis mort, c'est ça?
Potion, il ne reste plus qu'une. Mince. Ok, pourquoi tout d'un coup... Ouais, ok, là je reconnais. Oh punaise. Oh punaise. C'est vraiment compliqué, hein. Je sais même pas. Bon, il reste 20 minutes à peu près, mais je sais pas si je vais y arriver, quoi. D'essayer de me battre quand je sais que ça marche très bien. Que je peux pré-shot avec. Jusqu'avant ce boss, je me disais, ça peut être compliqué, mais finir le jeu sans se faire toucher une fois, ça doit être possible. Mais là, sans se faire toucher une seule fois, ça me paraît plus que compromis, hein. Potion encore. Ah. Encore une potion.
ici les tirs, c'est pas ouf. J'ai jamais réussi à passer cette salle d'ailleurs. Ok, il me faut du mana. Il me refaut du mana. Mais... Non mais non. Oh non, j'ai loupé les yeux. Et là, il reste en dehors. Ah! Ça, ça n'a pas l'air trop compliqué. Je peux me tromper, hein, mais... D'ailleurs, c'est quoi ces cils en trou du cul? Enfin, ces paupières en trou du cul. Par contre... Ah non, d'accord, j'ai plus de vie. Ok, je suis mort. Faut que j'arrête de mon habituel... Je tape une fois de trop dans l'ennemi. Et le laser, fallait que je ne bouge plus. Évidemment, ils sont pas du genre à mettre des points de sauvegarde au milieu d'un boss super dur comme ça. J'ai perdu 32 sel. Ah si, c'est bon. On se fait voir. Les têtes, j'ai vraiment du mal contre. Tout le reste, j'ai plus ou moins des patterns, j'ai compris, mais les têtes... Je pense que ouais, là j'aurais arrêté si j'étais pas en live en train d'enregistrer pour, avec ça, sûrement une envie de reprendre dans 2 heures ou demain ou quelque chose comme ça, mais
Là, enchaîner l'épisode précédent et... Et ça, là, toute la partie... Forteresse d'or. Eldar. Et le sel tourmenté. Ça commence à faire. Ok. Et ça, c'est le crâne. Tête de bébé. Ok, là, ça s'est bien passé. En même temps, vu le nombre de fois que je l'ai refait, il y a intérêt à ce que ça se passe bien. Là, ça se passe plus bien parce que j'ai voulu prendre l'œil qui était de l'autre côté. Non, mais sérieux, là, les yeux qui sont. Et en fait, il n'y avait qu'un coup à donner. Il restait qu'un coup à donner. Combien de mana? Ok, j'ai plus beaucoup de mana. Ah mince! Dès que je rentre dans la salle d'à côté, je prends une potion de mana. Oh. Ah, mais l'éclair il peut me toucher, je croyais qu'il était là qu'en démo. Ce qui m'étonnait, hein. Je dois bien l'avouer. Bon, j'y crois pas trop. Dernier essai. Dernier essai. Et après, ça sera fini pour Dandara pour aujourd'hui. Pour les enregistrements d'aujourd'hui en tout cas. Oh là là, ça commence tellement mal. Ça se rattrape plus ou moins. Si on met à peu près tous les coups à chaque fois, ou au moins 4 sur 5, il faut 4 coups pour tuer le bébé. Oh là là.
Je n'y arrive plus du tout. Bon, du coup, j'espère que ça vous aura plu de me voir souffrir. Mais on approche de la fin. Je pensais vraiment que le boss c'était juste la première partie, du coup qu'on aurait le temps d'explorer tranquillement les derniers recoins et tout. Mais là, on va le prochain épisode, ça sera très certainement juste ce boss-là. Et non, en vrai, si on le finit vite, on explorera, mais si on le finit pas vite, et ben on va galérer. J'espère que ça vous aura plu dans tous les cas. N'hésitez pas à mettre un commentaire et un pouce vers le haut. Ça fait toujours plus plaisir que vers le bas. Mais si vous pensez que ça vaut pas le coup. Allez, à plus.